Bonjour les amis, ben, vous faire un petit tuto pour comment compresser un dossier qui prenne moins de mémoire, puis en même temps pour pouvoir l'envoyer à un ami. On voit que c'est 100 mots. Sur Facebook, on peut pas envoyer plus que 20 mots. Comment qu'on fait pour envoyer des fichiers, des photos, des vidéos ou ainsi de suite à nos amis? C'est simple. Première des choses, on va commencer par la compresser. On fait WinZip, ajouter, accept. La mise à jour, moi je la fais pas. Ça, pour ma part, je fais tout de suite ajouter. Il va faire direct sur mon bureau. Un coup que le WinZip est fait, il va y avoir compressé qui prennent moins de mémoire. Que l'on a vu qui prenait quand même 100 MO, il devrait prendre un petit peu moins, regarde. Quand même 32 MB, c'est beaucoup. Beaucoup compressé. Que là présentement on peut passer à la phase 2, comment l'envoyer à nos amis via un site gratuit sans besoin de faire un compte que je vous montre tout de suite. Le dossier qu'on a compressé est ici. Il faut qu'on le compresse, ça nous donne ça. Je vais juste vous le montrer, vous êtes bien sûr. Et voilà, il est bien là. Ça, c'est correct. On s'en va sur Internet. On va vous donner le lien en description. Et même. Alors, 2 secondes, me faire pause, aller chercher mon lien, il est sur un de mes textes, ça sera pas bien long, ça sera pas bien. Re-salut les amis. Désolé, j'avais juste oublié mon lien. Je pensais que je l'avais copié. Bon, le lien il va être sur le commentaire. C'est WeTransfer. C'est simple comme bonjour, on arrive là. Que là, on s'en vient ajouter un fichier. Pour ma part, il est à ce bureau. On s'en vient là. C'est un nouveau dossier. J'en ai comme pas à peu près. Il y avait 100 mots avec. Vu qu'on l'a compressé, des 100 plus, prend moins de mémoire. Que là. Vous avez juste à. Là, c'est sûr que là, ici, on a le doigt jusqu'à 2 gigs, 6 jours. 6 jours, c'est que vous avez le doigt. Non, 7 jours. Conserver 7 jours. Ouais, c'est ça, c'est 7 jours. Après 7 jours, le lien va être mort. Que là, vous faites transfert. Là, il va y avoir le transfert. Vous attendez le transfert. Vous pouvez faire d'autres choses pendant ce temps-là. Un coup qui va être à 100%, il va y avoir un lien ici. Vous faites copier le lien. Oui, il va peut-être avoir un petit bouton qui va s'ajouter comme pour dire copier le lien. Vous faites juste copier le lien, puis vous le donnez à vos amis par chat, Facebook, Hotmail, peu importe. Un coup que le lien il va être là, vous juste le copier puis l'envoyer à vos amis. Puis juste pour vous dire. C'est jusqu'à 2 gigs, sinon il va falloir que vous créez un compte puis payer. Là, vous pouvez avoir jusqu'à des mois puis plus que de 10 gigs et plus. Et si, mettons, on met un fichier, un jeu, mettons, de 2 gigs, le téléchargement, le upload à ce site-là va prendre environ 2 heures à 4 heures. Là, pour ma part, j'ai 68 MO, mais j'ai mon programme Hypercam qui tourne, je fais le tuto, j'ai une autre chose qui est en train de télécharger ici, que c'est quand même assez long. Là, on a 1% puis tout, que c'est ça, moi je le ferai pas au complet parce que ça va être trop long pour le tuto, mais un coup c'est fait, c'est simple, le lien il va apparaître ici. Puis juste le copier et l'envoyer à vos amis. Puis c'est fait. Un coup que c'est fait, puis vos amis, mais ils cliquent sur le lien. Ils vont arriver ici, au même endroit. Sauf que là, ça va être un bouton télécharger.
télécharge ça, ils l'envoient sur leur bureau, puis ils vont le recevoir comme ça. Ils ont juste à cliquer deux fois. Ils font pas à acheter maintenant, ils font juste accepter. Mise à jour, on la fait pas, pas obligé. Puis ils font glisser déplacer sur le bureau. Une fois que ça c'est fait, ça tombe comme ça. Et voilà, on a tout et tout. On peut écouter même la musique. C'est pas mal ça. J'espère ça vous avoir aidé pour le WinZip, comment compresser et décompresser. C'est quand même simple, très utile. C'est pas mal ça. Puis j'espère que ça vous a plu. À plus.